Madame, réunis ce jour, réaffirmons sans embâge notre rejet des résultats de l'élection présidentielle du 30 août 2009, tel que proclamé par la Cour constitutionnelle. Il est constaté, en effet, à mi-parcours de l'examen des procès-verbaux des bureaux de vote et de centralisation, que de graves manipulations des dits résultats, de scandaleux bourrages des urnes, ainsi que d'incompréhensibles gonflements des listes électorales ont contribué à fausser gravement les résultats en faveur du candidat du PDG. Monsieur le Président, il ne faut pas lâcher.